Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une revue sur 3 produits de la marque Équin. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à faire une petite parenthèse sur mon absence un petit peu en ce moment, c'est-à-dire que je ne suis pas très présente autant sur les réseaux sociaux que sur YouTube. Il y a souvent des semaines où je ne peux pas vous publier de vidéo, où c'est assez compliqué. Je m'en excuse, mais en ce moment, mon planning, etc., c'est très compliqué. Le poulain arrive très bientôt. Actuellement, nous sommes le 2 avril et il arrive dans 5 semaines, c'est-à-dire aux alentours de la semaine du 8 mai. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment de m'organiser, donc pour les vidéos, etc. J'essaye de faire mon possible, mais voilà, sachez que je m'en excuse. Donc fini la parenthèse, c'est parti, je vais vous parler des produits Équin. Donc pour commencer, petite présentation de la marque. Donc la marque m'a gentiment contactée pour effectuer un partenariat avec eux pour découvrir et tester leurs produits. Donc c'est une marque qui m'a toujours un petit peu intriguée parce que beaucoup de youtubeuses en parlent, énormément en bien, et j'avais énormément envie de tester. Donc c'est des produits qui sont 100% naturels, qui sont biodégradables. La plupart des produits sont constitués d'huiles essentielles, etc. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et du coup ils m'ont proposé de choisir 3 produits sur leur site. J'ai choisi un démêlant, donc pour les crins, un produit pour la repousse du poil, parce que Mala a eu quelques petits problèmes avec ses couvertures, et en même temps vu qu'elle est en train de muer, du coup elle a eu des petites plaques au niveau du poitrail, etc. Donc ce produit tombait à pic. Et un onguent pour les terrains humides. Donc du coup je vais vous faire une petite présentation des produits, de la description qu'ils mettent sur leur site, et ensuite je vais vous donner mon avis sur est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'ils disent et est-ce que ces produits sont bien et valent le coup. C'est parti, let's go. Donc pour commencer je vais vous parler du démêlant, donc pour les crins. Il est au prix de 19€, c'est un flacon de 500ml. Donc la description du produit sur le site: nourrit le crin, facilite le démêlage, brillance, effet antipelliculaire, efficacité immédiate et durable sans rinçage, odeur agréable et insectifuge, favorise la repousse du crin. Alors personnellement j'ai beaucoup aimé ce produit, après j'ai toujours un petit point négatif à lui dire. J'ai énormément aimé ce produit parce que c'est vrai que l'odeur est très agréable. Ça ne dérange absolument pas le cheval, c'est vraiment des odeurs d'huiles essentielles vraiment super agréables à appliquer. Il démêle très bien les crins, il rend les crins hyper brillants. Alors vous le verrez ou pas sur les images, je ne sais pas si ça va rendre justice, mais sur la petite vidéo que vous voyez maintenant, où on voit les crins en Mala avant que j'applique le produit, et quand on les voit après, la différence de couleur des crins est assez flagrante quand même, je trouve. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Après il y a un petit point négatif que je pourrais lui dire, c'est qu'étant donné qu'il est composé principalement d'huiles essentielles, il laisse un fini gras au toucher. Alors ça je trouve pas ça terrible, après ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai qu'il laisse un petit fini gras. Donc si jamais vous n'aimez pas que les crins de vos chevaux fassent un effet un peu gras, je ne vous conseille pas ce produit. Mais sinon c'est vrai qu'il est vraiment très bien. Après je le trouve un petit peu cher pour ce que c'est, c'est-à-dire que le démêlant, c'est un flacon de 500ml et il coûte 19€, donc je trouve ça assez cher pour un démêlant. Mais sinon c'est vrai que c'est un produit qui vaut pas mal le coup et qu'il faut tester une fois dans sa vie de cavalière. Franchement j'ai apprécié. Ensuite je vais du coup vous parler du produit pour la repousse du poil. Alors c'est un tout petit flacon de 200ml, mais c'est vraiment suffisant parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup à en mettre. Donc c'est un produit qui coûte 16€, mais qui vaut vraiment son prix. Donc sur la description, ils écrivent: accélère la repousse et consolide le poil, utile pour les zones de frottement, harnachement, couverture, nourrit le poil. Alors Mala a eu du coup des petites plaques suite à la mue et au fait qu'elle ait des couvertures, du coup ça lui a fait des petites plaques sur le poitrail. C'est vrai que sur les vidéos on ne le voit pas vraiment. Je vous insérerai quelques photos en même temps où on voit quand même beaucoup mieux qu'elle avait des plaques. J'ai appliqué le produit pendant 3 semaines. J'ai fait une petite vidéo tous les week-ends et on voit vraiment une évolution, mais comme pas possible. C'est-à-dire quand vous comparez la première vidéo à la dernière, la première le poil est terne, on voit que ça fait des petites pellicules, des petites plaques quand même, on le voit pas mal. Et sur la dernière vidéo, elle a un poil magnifique, tout doux, tout beau. C'est vraiment un produit que j'ai adoré. J'en suis vraiment mais totalement fan. Je peux vous le recommander à 2000% quoi. Et franchement, c'est vraiment un produit que j'ai surkiffé. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à dire sur ce produit, il est vraiment fabuleux.
Donc si vous avez des petits, si vous avez eu des petits problèmes au niveau du poil de votre cheval, de blessures au niveau de l'harnachement, de la sangle, etc. Franchement, foncez, ce produit est fabuleux. Donc ensuite, pour continuer sur le dernier produit, je vais vous présenter un onguent pour les terrains humides. Alors j'ai acheté cet onguent parce que c'est vrai que j'avais l'onguent de chez Raven, etc. Mais j'avais besoin d'un onguent vraiment spécial pour les terrains humides parce que c'est vrai que chez ma grand-mère, c'est assez boueux au niveau de devant le box et dans son paddock. Étant donné que c'est un paddock où elle est H24 et qu'il n'est pas excessivement grand, c'est vrai que ça fait vite de la bouillasse dès qu'il pleut. Donc sur la description, donc c'est un onguent qui coûte 14€ pour un pot de 500 grammes. Alors le prix, je le trouve vraiment totalement abordable pour ce que c'est parce que le produit est vraiment super. Je vous dis pas ça parce que c'est un partenariat, vous savez que je vous dis toujours la vérité, mais j'ai adoré ces produits. Donc pour la petite description sur le site, pour l'entretien quotidien du sabot du cheval en conditions humides ou box, prairies, détrempées et terrains boueux. Protection contre les infections du sabot et les sèmes. Un packaging tout en bas avec pinceau intégré au pot facilite l'application du produit et le rangement du matériel. Donc ensuite le produit, il faut qu'il soit le produit faut qu'il soit entre 4 et 40 degrés. Donc s'il fait vraiment, vraiment froid, rentrez-le chez vous et puis ça ira très bien. Donc après, donc ce produit, je le trouve assez sympa. Après je suis un peu mitigée sur le fait qu'il y ait un pinceau. Je dois avouer que je trouve pas ça forcément très pratique parce que à court terme oui, à long terme je pense que ça va être un peu dérangeant. Après c'est quand même un produit que j'aime beaucoup, que j'ai apprécié, qui fait un joli finish sur le sabot. Après c'est vrai que j'ai pas eu énormément de temps de le tester, donc je pourrais pas vous dire un vrai avis sur un test de 1 mois, 2 mois. C'est vrai que ça fait 3 semaines que je le teste, mais c'est vrai qu'on voit une jolie corne depuis. Elle a une jolie couleur, le sabot est bien nourri, je trouve ça plutôt pas mal. Je dirais pas qu'il y a autant d'effets que les onguents de chez Raven, parce que c'est vrai que Raven ils mettent la barre très très haut. Mais c'est un produit qui est quand même vachement satisfaisant et qui pour le prix reste très abordable et très très bien. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter ces produits en vous disant vraiment mon honnête avis. Moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye.